C'est gâté, Robinson Pifo me déclare une guerre, je ne sais pas si on appelle la guerre froide ou bien la guerre chaude, ou je ne sais pas trop. Avant de vous donner mon opinion, je vais lire ce qu'il vient de poster concernant Franco Le Mignon. Il a fait une capture de ma page, donc ma page Franco Le Mignon officielle. Et il a posté sur sa page, il dit ceci. Tu me sabotes sur une vidéo que j'ai dépensé mon argent et mon énergie pour la réaliser et elle devient l'une des plus populaires de ta page. Vous ne comprenez pas quoi. Je suis plus puissant que vous. Et vous savez tous, mon nom passe crème sur le digital. Mais à toi personnellement, je vais te soumettre de ne plus jamais utiliser une de mes images. Tu as passé toute ta vie jusqu'ici à t'attaquer à moi. Je n'ai jamais riposté. Mais c'est la fin. Et si tu doutes, vas-y, lance-moi le bras de fer et on verra qui va gagner. C'est la fin, ce qui me fait rire. Lance-moi le bras de fer et on va voir qui va gagner. Je vais rire dans l'eau. Je vais rire dans l'eau. Appelez-moi un peu Pifo, s'il vous plaît. Taguez-moi un peu Pifo. Robinson Pifo, tu sais pourquoi c'est difficile de me clasher? Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Que je fais la vidéo sur s'il veut me clasher, mais c'est difficile parce que pour clasher et que ça touche, il faut un point faible, il faut un point que quand tu vas attaquer, ça va toucher la personne. Mais moi, c'est difficile de trouver vraiment mon point faible. C'est pour ça que clasher Franco Le Mignon, c'est compliqué, frère. Tu dis dans ton post que une vidéo de qui a fait 240 000 vues. Est la vidéo la plus populaire de ma page. Pardon, va. Ça c'est la page Franco Le Mignon. Déjà, ce n'est même pas la vidéo la plus populaire. Mais ma page principale où on me suit beaucoup, c'est Franco TV officiel. Va là-bas. Regarde seulement les images de la CAN. Les millions de. Les 1 million, les 800 000, les 900 000 vues. Tu veux pas une vidéo de où c'est combien de 200 et poussière de vues que c'est la vidéo la plus populaire de ma page. Frère, écoute-moi très bien. Blague à part, tu me suis? Si le fait que j'ai pris ta vidéo pour te donner un conseil, c'est le fait de te dire que il faut prévoir la sécurité, l'ambulance pour ton nouveau concept, si c'est ça qui t'a touché, et jusqu'au point où tu appelles ça le sabotage, frère, si tu vas te sentir en paix, en ton âme et conscience, qu'en signalant tes images sur ma page, tu vas être mieux, tu vas mieux dormir. Parce qu'apparemment, je ne sais pas si quand il y a beaucoup de vues sur mes plateformes, ça te donne l'insomnie. Si tu vas mieux dormir, va signaler. Je vais d'abord te rappeler. La page Franco Le Mignon, là, c'est une page qui ne considère pas d'abord trop. 1. Facebook avait bloqué ça en 2021 pendant presque 14 mois. Tout récemment, j'ai dit bloquer même la visibilité. On ne me suivait même plus. C'est pour ça que j'ai créé la page Franco TV. Tout récemment, Facebook a encore bloqué la monétisation sur cette page-là. Ça a fait presque 9 mois sans monétisation. C'est tout récemment, ça fait même pas 3 mois que la monétisation est revenue. À cause d'une vidéo, je n'ai pas parlé de cette personne. Parce que quand j'avais parlé pour Franco Théo, Marie Bibi, les gens sont moqués de moi. Ils disent cette fois-ci que je ne parle plus. Donc, si tu trouves que tu vas aller signaler tes vidéos et qu'on bloque la monétisation, vas-y. Parce que la page est la même. C'est une page qui ne considère même pas trop. C'est une page qui ne me dit même presque rien. Va, on va signaler. Tu signales ta vidéo, on bloque la monétisation. Ça ne dérange pas, frère. Ça ne dérange, ça me dérange pas. Et pour te dire, pour que tu comprennes bien comment j'ai planifié, parce que je sais qu'il y aura un moment où tout ça sera, cette vengeance que tu commences là, sera versée sur Meta. Chacun va commencer à dire qui défend son image. Tu sais comment j'ai fait pour éviter tout ça, mon frère. Tu viens sur Yaoundé, non? Quand tu arrives à Yaoundé prochainement, Pifo Robinson, va à Ekounou. Va regarder le laboratoire photo. Je suis un laborantin aujourd'hui. Va regarder le laboratoire, le grand laboratoire photo que j'ai ouvert à Ekounou. C'est à 200 mètres du carrefour Ekounou. Le laboratoire Vision Pro Photo. C'est mon laboratoire. Tu reviens ici en Gousso, où je suis même, où il y a mon bureau là. En face Total Gousso. C'est un grand studio photo. C'est mon studio photo. C'est que j'ai déjà planifié ma vie déjà que c'est même si Facebook dit demain que Meta ne doit plus rien donner à personne. Gars, il ne rentre pas au village. Tu as compris, non? Et je suis en train de réfléchir comment je vais même venir à Douala là-bas créer un studio ou même un autre laboratoire là-bas à Douala. Voilà.
Donc, si tu trouves que aller bloquer ma monétisation, ça ne va même rien faire sur moi, mon type. Ça ne va rien changer sur ma vie. Donc, si tu penses que c'est par là que tu penses aussi, que tu crois que tu peux me toucher, ça ne peut rien me faire. Tu as tapé pour ton mec. Avec moi, je vois le mal de l'ombre. Moi, je savais que les choses que tu commences là, ça devait arriver. Où chacun va commencer à dire que personne ne dit mon image, tu dis mon image, il va aller signaler mon chien. Je suis déjà préparé pour ça, mon frère. C'est pour ça que j'ai créé mes entreprises. Pour ne plus compter sur Meta, sur la monétisation. Tout ça, c'est pour un temps. Un temps là va arriver. Où tout ça là, on ne va plus rien gagner. Tu me suis, non? Donc, si tu dis que tu me lances la guerre, on fait le bras de fer, on va voir qui va gagner. Tu vas gagner quoi? En dehors d'aller signaler, tes vidéos, on me coupe la monétisation. Qu'est-ce qui va encore changer? Va, il te donne le feu vert. Va le faire. Ne te dérange même pas. Il ne faut même pas avoir pitié de moi. Tu m'as compris, non? Il ne faut même pas avoir pitié de moi. Présentement, si. Comme il te parle, le studio photo, Vision Pro, a déjà 8 mariages programmés. 8 mariages, puis il faut 8 programmés. Ce samedi-ci, on a 2 mariages. Samedi sur prochain, on a 2 mariages. Je vais te montrer les images, toi, tu vas voir. Donc, si ce n'est que pour Meta, ne relis pas les commentaires. Les gens viennent dire que Franco cherche à travailler, tu viens bavarder sur Facebook, tu te contentes de ça. Je suis un bosseur, monsieur. Je planifie ma vie. Je ne fais pas ma vie, je compte sur Meta. Je suis un travailleur, je suis un bosseur, moi. Donc, je te donne le feu vert. Et je te dis encore ici, pour clôturer ma vidéo, cherche l'ambulance. Pour ton concept là. Et le jour qu'un enfant va tomber là, va manger jusqu'à... Ça va l'étouffer. Tu vas comprendre que Franco t'avait averti. Quand un enfant va chuter, ou même va lâcher, je ne souhaite pas. Tu vas comprendre les conseils que Franco te donne aujourd'hui. Du courage pour ton projet, ça ne me dérange pas. Ton projet, je l'aime bien. C'est le divertissement, ça fait bien rire. Du courage. Moi, je te donnais juste mon point de vue. Si tu trouves que ce que j'ai dit... Si ça t'a tellement touché et que tu veux signaler tes vidéos, papa, commence même que maintenant. Je ris dans l'eau. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mieux. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, obsèques et funérailles et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes.
Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'air, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.